Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour un petit épisode sur Car Mechanic Simulator 2021. Et donc du coup aujourd'hui on est parti avec notre tas de boue. Enfin, envie de dire un petit peu, alors tas de boue, oui et non, parce que le truc a quand même 320 000 bornes, si j'ai pas de conneries. 315 000. Donc il a déjà fait du travail le truc. Et en gros, donc on nous affiche une 8 pages à réparer, donc il y en a pour un petit moment, hein, comme d'hab. Enfin, même pire qu'avant. On est level 9 maintenant, donc c'est plutôt sympa. On a l'atelier peinture qu'on a débloqué samedi. Or qui est pas là, ça c'est la réponse que j'ai fait. Mais l'atelier peinture qui est là-bas derrière, pour ceux qui n'étaient pas là sur le live, qui est là maintenant. Hop. Et donc du coup, bon, on en est là. Alors pour l'instant, je rush l'émission principale parce que voilà, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'aime ce. Et là, on va avoir du taf, donc on va commencer par les trucs les moins importants, donc changer. Ok. Alors changer ou remplir. D'ailleurs, voilà, j'ai déjà pas écouté ce qu'on m'a dit. Changer l'équipe de frein, changer, remplir l'équipe de la glace. Ok. Donc celui-là, on va déjà remplir. On va commencer par le moins important, comme d'habitude, c'est ce qui me fait le moins peur. Je vois qu'à l'arrière, depuis ici, je vois qu'à l'arrière, il y a du mal de fait aussi. Toujours la petite goutte en plus, comme d'habitude, j'aime ça. Donc celui-là, on va le remplacer. Ce sera fait. Hop. Aspire-moi ça, Maurice. On va pouvoir en remettre. Bon, le radiateur a pas l'air d'être niqué, donc dans le doute, j'ai trop mis, comme d'hab. Dans le doute, ce que je vais faire, c'est que je vais vider. On remettra plus tard pour ça. Hop. Et du coup, ils m'ont dit celui-là. Ils m'ont dit celui-là. On va remplacer le liquide. Voilà. Et on va en remettre, et comme ça, ce sera fait. On va aller s'occuper de l'arrière après. Donc, on a une vidange à faire aussi, bien sûr. Enfin, voilà, le train de soins habituel. Ok, donc ça, c'est fait. Ce qu'on va faire, c'est que... Hop. On va s'occuper de derrière. Et là, on va commencer à avoir du boulot, mon petit. Effectivement, il nous disait dans la description que il avait l'habitude de porter des grosses charges. Donc en effet, derrière, il risque d'y avoir du mal de fait. Ok, bon, faut tout que j'enlève déjà. Au moins, on est déjà fixé. Ah, je suis allé un peu trop loin. C'est pas là que je voulais aller. Ok, pour enlever ça, il me faut ça. Bon. À présent, rien de bien. Ça. Ok, donc là, on a l'amortisseur arrière. On a ceci, mais depuis le dessous de la voiture. Il va falloir que je lève. Et du coup, les colliers ressorts qui sont foutus aussi, d'ailleurs. Ah merde, la plaque elle a pas l'air d'avoir de mal. Ah, mais c'est en bloc. Ceux-là aussi doivent être foutus. Je suppose qu'il y a le même derrière, en effet. Alors, je voudrais bien juste que tu me mettes où je te demande. Ok, et ok. Donc il y a déjà ça. On va déjà s'occuper de ça. Alors. Ça. Ça. Et ça. Est-ce qu'il me restait des trucs pneus de course? Oui. Ça et ça. En effet, c'était de la dernière fois, ça. Donc, du coup, ressort à l'âme. Ça, on en aura besoin de... Hein, donc, petit cil en bloc. Des colliers sort. Alors, oui,
c'est mieux parce que j'ai beau spammer le clic de souris, il veut pas le faire. Amortisseur. Porte-fusée. Ce qui est compréhensif quand tu portes des grosses charges à force. Ah, tu me diras, moi j'ai un machin comme ça, c'est pareil. Hein, je vais pas, je l'amuse pas en règle générale. Tu peux être sûr que je vais y mettre la même chose sur la gueule. Donc ça peut être compréhensif que derrière ce soit un petit peu usé. Hein. Alors, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Hop. Hop. L'amortisseur. La plaque ici. Les colliers. Voilà. Ensuite. Tout ce bordel là. Assez simple la mécanique quand t'es dans le jeu. Ça se passerait aussi simplement IRL, ça serait trop facile. Je ferais ma mécanique tout seul. Sauf que j'ai pas le talent. J'ai pas la patience non plus. Alors je dis ça, mais ça dépend pourquoi. Et des fois je l'ai. Enfin, j'ai pas le choix surtout. Et des fois je l'ai. Alors normalement j'ai plus rien dans mon bordel. Voilà. Ok, arrière droit c'est fait. On va s'occuper de l'arrière gauche où il y a la même dose, je pense. Quasiment en tout cas. Pour 115 000 bornes, il a déjà bien vécu son machin. Hein. Surtout s'il le charge comme un gros sachet. Bon, là c'est pareil, il va falloir que je démonte tout le bordel. Oui, il va falloir que je démonte. C'est à peu près le même. Même problème qu'il y avait sur l'autre côté. Hop. Hop. Ça, on vient de le faire, on sait à peu près. Hein. Bon, c'est quasiment les mêmes pièces. Hein. Bon, pour l'instant, le compte tire pas trop la gueule. J'avais surtout peur de ça. Je suis en train de penser un truc d'ailleurs. Est-ce que la pompe à carburant elle est pas... dans le mal, elle est dans le mal. Faudra que je m'occupe de ça aussi. C'est ça, c'est souvent que je me fais couillonner avec ça. Hein. Le compte tire pas trop la gueule parce que c'est vrai que les pièces coûtent cher quand même. Ah, il y a ça aussi que j'ai pas enlevé. Ok. Donc on a la même dose derrière, hein, j'ai envie de dire. On a la même dose de ce côté-là que de l'autre côté plutôt. Hop, et hop. Je pense que là déjà t'en as déjà pour un billet. Hein. T'en as déjà pour un billet. Je sais pas pourquoi il me met deux plaquettes de frein. Parce que j'ai oublié dans le dernier coup. Surtout ça, hop. Deux petits cils en bloc comme l'autre côté. La pompe à carburant, bon ça. Parce que j'ai regardé en cours de route. Deux colliers ressorts. Un amortisseur. Et un porte-fusée. Ok. Bon, maintenant on va écouter. On va remonter ça tranquillement de ce bout-ci. Ok. Il n'y a plus de musique. Les musiques, ils les ont pas trop changées d'un car mécanique à l'autre. Il y en a que j'ai pu reconnaître. En cours de route, qu'on avait déjà dans le 2018. Ça, je vais vous expliquer très simplement pourquoi. C'est que c'est des musiques non copyright, qui le sont restées apparemment. Ce qui fait que les devs ont quand même pensé à ceux qui font des vidéos et des lives dessus. C'est quand même plutôt cool de leur part, parce qu'autrement, il aurait fallu couper le son. Et c'est vrai qu'un jeu comme ça, sans un petit, une petite musique derrière, ça fait un peu tristouné. Même si, bon, bah, tu mets ta propre musique non copyright, tu te débrouilles pour la trouver, et puis voilà. C'est vrai qu'ils ont été cool, quand même, de nous mettre la musique non copyright eux-mêmes. C'est plutôt sympa. Comme ça, t'équipe de chercher. C'est plutôt cool. Ok, donc, normalement, normalement, il manque les colliers, je crois. Voilà, il manque les colliers.
C'est vrai que j'ai oublié ceux-là. Je les oublie souvent, hein. Ok, de l'autre côté, comme ça. Et normalement, j'ai plus rien dans mon bordel. Ok, nickel. Alors, devant. Devant, je vois que là, à mon avis, là, il pourrait bien y avoir du dégât aussi. Oh putain, mais il y a du... Dis donc. C'est un peu grippé, ton affaire, là. Ah oui, ah oui, il y a du mal. Il y a du mal de fait. Ok, bon, plaquette, apparemment, on va se les taper les quatre, ça peut pas sûr. Le cache-moyeu, je pense qu'il y a la bague qui est dedans, là. Ok, ça, c'était sûr, de toute façon. L'amortisseur, suspension. C'est fait, ça, il va falloir que j'enlève ça. Mais tu vas l'enlever, oui. Ok, sinon pour le reste, ça a l'air d'aller. Les cils en bloc, j'ai un doute. Cils en bloc, j'ai un doute là. Celui-là, il doit être foutu. Là. Ils sont foutus les deux. Et en bas, j'ai un doute aussi, donc je vais le faire en même temps. Il y en a qui est mort. Alors, tant qu'à faire, je vais tous les changer. Ok, donc on va déjà commander tout ça. Celui-là, je change, hein, je fais pas de chichi. Ça va falloir que je regarde aussi. Merde, putain. C'est qu'un seul. C'est pas deux. Faut pas que je me trompe. Faut pas que je me trompe. Alors, si l'on bloque 4. Roulement de moyeu, 1. Disque de frein ventilé, donc c'est 1. Du coup, j'ai fait de la merde. Et plaquette de frein, 1. Voilà, donc pour l'instant, j'ai tout. Je vais remonter ce que je peux tout de suite, comme ça je me débarrasse des pièces sur mon... qui sont sur moi. Je vais remettre le même au-dessus. Ok. Donc ça c'est tout neuf. Celui-là, je l'ai pas regardé. Donc je l'ai pas regardé non plus. Ouais, il est foutu. Celui-là est malade, hein. Je vais le changer quand même. Il y a 58% tant qu'à faire. J'en profite pour l'amortisseur, du coup. Voilà, le ressort est foutu. Est-ce que je change la coupelle? Elle est là. Attends. Disque de frein ventilé. Bon, ça, ce sera. Là, c'est celui que j'ai. Ressort, roulement de moyeu, s'il en bloque. Et après, c'est tout. Ok, donc on change juste le ressort. Ça y est, j'ai déjà oublié. Hein. On change juste le ressort. On est d'accord. Ouais. On change juste le ressort. Ok, donc. Hop. Tant qu'à faire, j'aurais mis du neuf. Hein, maintenant que c'est démonté, mais bon. Disons que le silence bloc que je change en rap, c'est un cadeau de la maison, et puis voilà. Merde, j'ai pas remonté. Je me trompe à chaque fois. Hein. Ok. Donc on va remonter tout ça. Ce jeu, je m'en lasse pas, c'est terrible. Déjà, ça m'a déjà fait ça sur le... Sur le 2018, c'était une dinguerie, j'arrivais pas à le lâcher ce machin. Terrible. Je peux remonter ça tout de suite. On fait ça aussi. Ça aussi. Je crois que c'est tout. La bague, je peux la remettre. Ça aussi. Je peux remettre ça sans ça? Ça me va.
Ok, ça c'est fait. Ensuite, voilà, de ce côté-là, je pense que voilà, on peut démonter. Hein. Ok, de la casse aussi. De toute façon, il y a de la casse partout. Hein. Ça s'est fatigué aussi. J'en profite pour démonter ça. Moi, j'ai la même chose en fait. Ok, ça, je vais pouvoir l'avoir du coup. Ça. Pareil, je vais recommencer mon bordel ici. Hein. Je vois que les cils en bois qui sont fatigués. Là, c'est pareil. Ça. Ça. Dans le doute. Mais bon, là, il est foutu. Et celui-là. Oui, il était pas foutu. Mais du coup, je vais le changer quand même. Ah, je peux en profiter pour faire le filtre à huile. Donc je suis lancé. Et du coup voilà. Alors, la liste. 1, 2, 3 et 4. Donc à faire. Hein. Hop. Ça, je ferai après. Je vais faire tout de suite même. Ça, c'est bon. Ça, c'est foutu. Ça c'est foutu. Ça c'est foutu. Ok, je vais démonter mon boxon là. Et puis voilà. Le ressort qui va être foutu. Comme de l'autre côté. Hop. Bah du coup voilà, je l'ai. Il était là. Hop. Filtre à huile. Ensuite, si l'en bloc, il m'en faut 6. Comme il y en a deux que je fais cadeau. Comme ça. Hein. Ça. Le roulement de moyeu. Comme de l'autre côté. Le disque de frein ventilé. Tais-toi, le chat. On va pas réveiller les dames qui dorment là. Et une plaquette. Une paire de plaquettes. Ok. Alors, du coup, on va remonter tous ceux. Monter ça. Monter tout ce bordel là. On aura des cils en bloc tout neuf, Maurice. Ah merde, j'avais oublié celui-là. Je me disais, mais putain, il veut pas m'afficher les autres, mais c'est normal. Ok. Que j'ai pas remonté. Putain, j'y pense jamais. Hop. Récupère ce. Ensuite ça. Ça. Normalement c'est tout ici. Le disque de frein, il me faut le moyeu, le roulement de moyeu, mais non, con, imbécile. Le coche-moyeu, les plaquettes de frein, l'étrier. La roupette. Et voilà, ça c'est fait. De l'autre côté, je remets ceci. Et normalement, j'ai plus rien dans ma liste. En principe. J'ai plus rien dans ma liste. Ok, tant mieux. Donc là, démarreur. Ok, depuis le bas, je crois que c'est tout pour l'instant. J'ai pas fait la vidange, je crois. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus de ce que j'ai branlé. Ok, donc ça, je vais changer le démarreur.
En gros, je fais un tour complet, quoi. Donc, à la limite, je démontrais la butée d'embrayage pour voir si la gueule qui est là, ça serait peut-être pas plus mal. Hein. Donc, à faire. Parce que là, je pense qu'il y a encore une chier de pièce que je n'ai pas trouvée. Alors qu'on regarde un peu, mais. Ok, démarreur, donc je le tiens. Oh là là, c'est bon, je vais faire un tour complet parce que. J'aime autant, hein. Ok, c'est reparti. Ok. Attends, déjà 20 minutes de vidéo, le temps il passe trop vite sur ce jeu, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. J'en profite, je fais le tour, hein, parce que... Oh, ici, je crois bien qu'il y a du mal derrière. Si, si. Du mal derrière. Ça va te coûter cher, mon petit bonhomme. Ok. Alors, dans le doute, je vais enlever le volant moteur, quand même. Des fois que le vilebrequin soit foutu. Ça, du coup... Oh, ça cracote, je suis vieux, monseigneur. Ok, on va enlever le carter quand même. Et il y a du dégât, dont le vilebrequin. Et il n'y a pas que le vilebrequin. Hein. Il y a de la casse. Hein. Ça c'était pas sûr, mais c'est à prévoir. Ouais, faut que j'enlève tout. Chapeau de biel et tout le train de train. Est-ce que je vais pouvoir le sortir comme ça? Ça m'étonnerait. D'ailleurs, faut que je démonte là-bas. Faut que je démonte l'avant, et même en démontant l'avant, je suis pas sûr que je puisse le sortir comme ça sans enlever les... Alors en principe, je devrais pouvoir le sortir sans enlever les bielles. Je pense, mais je suis pas sûr. Je suis pas mécano, malheureusement. Peut-être que si. Voilà, faut que j'enlève l'avant. Ah non, non, faut que j'enlève les bielles. Il veut pas que je sorte. Ouais, ok, donc on fait un moteur complet. Un moteur complet. Alors, qu'est-ce que je peux déjà recommander? Je crois que je mets en surbrillance, hein, parce que... Support du requin, ça... Ça... Ok, on va commander, ce sera fait. Chapeau de biel 4. J'avais dit qu'il allait en avoir pour cher. Hein. Support roulement du brequin 3. Ça, je le savais. Ok. Bon, ma moteur complet. Hein. Ok, ventilo. De toute façon, faut que je démonte tout l'avant, encore les bielles. Enfin, c'est un moteur complet qu'on fait. Hein. On finira probablement pas aujourd'hui. Un petit alternateur. C'est pas des frais que je suis en train de te mettre sur la gueule, c'est pire. Ok. Oui, pompe à eau, donc la pompe à eau, j'ai bien fait de pas remettre du bordel dans le radiateur. La pompe de direction assistée. Merde. Ok, ça. Ah, il y en a pour un billet, hein, quand tu commences à faire ça. Je pense que ça commence à calmer. Hein.
Autant changer de véhicule. La poulie. Le carton de distribution. Ok, bah même là-dedans. La chaîne de distribution est foutue. Et les trucs, j'ai pas accès depuis là. Alors, Wacom, je sais pas la gueule qu'il a, donc je sais pas si je vais le démonter tout de suite. On verra après. Bon, là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Le filtre est foutu. Je vois que derrière, il y a de la casse aussi. Hein. Là, il y a de la casse aussi. Les câbles d'allumage sont foutus. Ça, c'est foutu. Oh, un dieu. Ça, c'est foutu. Ça, c'est foutu. Ça, c'est foutu. Il y a pour un billet, Maurice. Ça, ça va calmer. Hein. Ok, ça m'a rien donné du tout. Oh putain, les culbuteurs aussi sont des. Ils sont pulvérisés. Les fameux culbuteurs. Eh ben, ça s'appelle démonter un moteur en petits bouts. Pareil, le culbuteur. Merde. Le culbuteur là, il est foutu. Les bougies, elles sont peignées, j'ai vu. Enfin, attendez, il va falloir que je commence à refaire du tri parce que. On va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Je finis de démonter ça, après on fait du tri. Ah, faut que j'enlève tous les poussoirs, c'est vrai. Pareil, ils sont foutus. Ah, puis il y a la même dose de l'autre côté. Hein. Il y a la même dose de l'autre côté. Encore, ils ont simplifié le truc, hein, parce que autrement, si t'avais tout à taper, pauvre ami, t'en as pour un moment. Ok, on va enlever les pistons. Comment te dire? Les segments, ils sont pulvérisés. Il y a un piston qui est foutu. Alors, quand on va remonter ça, il va falloir que je fasse attention. Et que je mette bien sur brillance pour pas me tromper, parce que autrement, tu peux être sûr que je vais pas mettre les bons poussoirs au bon endroit. Et il va me redemander de remonter parce qu'il prendra pas ça en compte. Comme d'habitude. Qu'est-ce que j'ai commandé, un filtre là? Enfin, j'ai pas commandé, mais. Oh! Il y en a pour un billet, mon pote. Et je suis même pas sûr que je puisse tout acheter tout ça. Ok, j'ai tout mis sur ma liste. Oh putain de Dieu, la liste. La liste. Bon, ok, on a la même dose de l'autre côté. Très très bon ça, j'adore. Pareil, je vois des bougies qui sont déjà malades. Ouais, pareil, culbuteur, c'est pareil.
Eh ben là, il y avait une sacrée mission, hein. Il y a une sacrée mission. Moi, j'aime ça. Ça me plaît. Je commence à farfouiller dans le moteur, là. J'aime ça. Celui-là, il est foutu. Celui-là, j'en sais rien, j'ai pas vu. Quand tu commences à faire ça, je pense qu'il vaut mieux faire une chose, c'est se débarrasser du bordel. Parce que de toute façon, il faut tout démonter le bordel, changer le lubrifiant, changer tout. Tout. Ok, il y a deux pistons qui sont foutus. Avec les segments. Bah, il y a un segment qui est foutu. Bah, il y a un segment qui est foutu aussi. Ok, il y a un truc que je voulais démonter tout à l'heure. Depuis là, je n'ai pas pu. Je me rappelle plus ce que c'est. Bah, c'était le vilebrequin. Je crois. Ok. Un segment. Deux segments. Trois segments. Ça se parie normalement quand tu changes les deux. C'est pas moi qui commande, c'est le client. Sinon, il y a encore quelques pièces de viable hein, sur le camion. Pas beaucoup, mais il y en a. Pour le moment, je fais des plus sains. C'est cool, hein. Je fais des plus simples, je vais faire des moins terribles. On va démonter le lubrifiant, par contre on va regarder si on a toutes les pièces de découverte. Mis à part si le bloc est peigné, normalement ça devrait être pas trop mal. C'est bon, on a tout. On a tout. Alors là, mon petit, je suis pas sûr de pouvoir te le remonter en une fois. À mon avis, ça va être compliqué. C'est bon. J'ai pas regardé combien il me fallait. 8. Ça va piquer. Piston, donc 3. Encore, je crois même que c'est pas ce qui coûte le plus cher. Il y a 8 poussoirs. Cinq bougies. Mais c'est pas là-dedans. 7 culbuts. Ça c'est pareil, c'est pas là-dedans. Filtre carburant. Alors, un normalement, hein, ça suffira. Ça j'ai pas. Câble, j'ai pas. Filtre air. Chaîne de distribution. Merde. Bon, l'alternateur c'est pas là. La courroie. Et le vilebrequin. Et c'est même pas ça qui coûte le plus cher. Je reviens pas. Je pense que c'est tout ce qui est électrique qui va commencer à piquer. Donc 5 bougies. Bon, ça va. Le rotor de distribution, ça va aussi. Ah, je pensais que ça piquerait plus que ça. Ça, c'est 26 boules. 60. Putain, mais finalement, j'en ai pas pour si cher que ça. Je m'attendais à un truc que ça allait coûter la peau du cul. Eh ben, je pensais pas que je pouvais tout acheter, du coup. Bah si, largement. Très largement. Je fais 17 000 balles. J'ai pas regardé l'arbre à cam. Il était qui il était. Attends. Mais tant qu'à faire, il me reste une pièce, hein, autant que je la regarde quand même. Ok, Abraham. Qui est à peu près dans une situation normale, on va dire. Ok, bon.
Normalement, je peux remettre que le vilebrequin pour le moment. Bah ouais. Tout le reste, faut que je le mette depuis là-haut. Ok, donc tout ce qui est piston et segment, faut que je mette en surbrillance. Si je les trouve. Alors, segment. J'aurais dû tout changer, je pense, vu le prix que ça coûtait. Il met les segments plus les pistons? Non, il me les a pas mis. Il me les a pas mis parce que je viens de les voir. Donc là, il me met que les segments de ce côté-là. Segments. Donc là, c'est un piston sans le segment. Je comprends rien. Si, c'est les deux, je crois. Putain, je ne sais pas, c'est terrible. Ça, c'est que les segments sans le piston. Je suis baisé, à mon avis. Bon, on verra bien une fois que j'aurai remonté. Hein. Ça, c'est. Les deux pistons, ils sont là. Piston et segment, c'est là. Ici, c'est pareil. Ensuite. Ensuite, là, c'est segment. Les segments, je crois que j'ai que des 9. Dans le doute. Ah, les segments, ils sont tous 9. Ouais, c'est bon. Je vais vérifier quand même. Hein. Mes conneries. Là. Ok. Vérification. C'est pas bon. Ah, mais c'est les chapeaux, ça. Oh, je suis con, putain. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça que je suis vraiment un abruti, moi, c'est terrible. Ah oui, j'ai. Mais je sais pas pourquoi j'ai cliqué là-dessus. Je suis vraiment un abruti fini au pipi, moi. Ok, tout est bon pour les segments. J'ai pas trouvé les pistons. Je suis un abruti, j'ai pas regardé. Putain, quand je regarde pas ce que je fais, c'est terrible. Support de roulement. Bah non, c'est bon. Ils ont même pas compté pour les pistons. Piston avec build, non. Il y en a, ça va pas, là. Il y en a, ça va pas du tout. Ok, alors, on va me mettre sur brillance, il faut que je regarde. Celui-là, ça ne va pas. Ok, donc faut que je trouve un des pistons que j'ai mis tout neuf. Attends. Ah putain, ça c'était sûr que j'allais me faire chier avec ça. Piston avec biel, le piston avec biel. Ok, donc c'est celui-là, je dirais. Donc là, je mets le neuf avec ça. Et puis là, je mets celui-là avec ça. Normalement, c'est bon. C'est bon. Alors, mes segments, ça va pas changer parce que j'ai. Ils sont tous neufs. Ok, c'est bon. Impeccable. Ensuite. Ensuite, je peux continuer là. Donc là, ça c'est. Je vais remettre de l'autre côté en même temps, puis on verra. J'ai rien dit. Donc là, ça va être les poussoirs, ce coup-là. Ce que je vais faire, je vais mettre tous les poussoirs en surbrillance. Ok, les poussoirs. Ok, donc il me faut un poussoir neuf ici. Un poussoir neuf ici. Il m'en faut un ici. Et un ici. Ok. De l'autre côté, il me faut la vue déjà.
Il me faut un poussoir 9 ici. Putain, on va pas tarder de s'arrêter là pour aujourd'hui, messieurs, hein, parce que c'est terrible. Je vois pas le temps passer. Et moi, je m'amuse. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Ok, et le dernier ici. Et normalement, je vais remettre les autres et on vérifiera. Et normalement, c'est tout bon. Quelle idée, il aurait mis que des 9. C'est pareil pour les culbuteurs aussi. J'ai presque envie de dire que ce serait aussi simple. Maki serait fin heureux parce que ça se passe pas comme ça hier. Là. Pas du tout. Normalement, ils y sont tous. Je crois. Et du coup. C'est bon. Donc maintenant, les culbuts. Je sais pas si je les ai passés. Je les ai passés. Il y en a que 3 ? Il n'y en a pas que 3, non. Ok, c'est reparti. Alors là, il me faut un 9. Ah, j'ai oublié quelque chose. Non, j'ai pas oublié quelque chose, c'est bon. Ah, puis il y a les vis, c'est vrai. J'ai oublié ce détail. Ça, c'est un 9 qu'il me faut. Ensuite, il me faut un 9 ici. Il me faut un 9 ici. Je vais remettre les autres. Oh, j'aime ce. Ok. Ça m'embrouille pas avec ton bordel là. Donc là, il me faut un 9 ici. Juste à côté. Et ici. Ok. Bon alors normalement t'es censé avoir le réglage point mort haut, point mort bas, etc. etc. où nous on passe par dessus, mais plutôt sympa. Ok, on va mettre les bjis avant, donc là je vais reposer ça. Non, non, pas tout de suite, ça. T'excites pas, malheureuse. Ok, est-ce que c'est les bougies qu'il faut que je mette en surbrillance? Mais non. Là. Les bougies, c'était là. Okay, donc, une là. Une là. Ici, je mets des normales, alors il faudrait me laisser les mettre. Ici aussi. Non, pas ceux-là, ceux-là. De ce côté-là. De ce côté-là, il me faut une 9. Il me faut 3 9. C'est ça? Ouais. On vérifiera après. Je me retape pas le moteur à démonter en entier. Voilà, pour le coup, les bougies, ça va. Disons que c'est le cadet de mes soucis. Ok, donc là normalement c'est bon. C'est bon pour les bjis. Ensuite, ça normalement il n'y avait pas de mal donc on s'en fout. Le couvre-cul là, s'il n'y avait pas de mal non plus donc on s'en fiche. Là, on remet aussi. Là, c'est bon ici. J'ai encore tout le bas à refaire. Hein. Distributeur d'allumage. Donc là, il n'était pas foutu. Ça, c'est neuf. Ça, c'est neuf. Ça c'est neuf.
Ça, c'est neuf. Ça, c'est pas neuf. Ici, on avait ça. Le filtre à air. La boîte à cul. Ok, c'est bon pour ici. Ça. La chaîne qui est neuve, je crois. Mais, merci. La chaîne qui est neuve. Ensuite, on avait la capote. La pompe à eau. On avait ça. Je vois plus rien. On avait ça. On avait... Ah oui, les bras là. Bras la con là. Là, on avait le même. Il était dans l'autre sens. L'alternateur qui était neuf. Le galet en rouleur. Ah. Je crois qu'il n'y avait pas à trier à ce niveau-là. Il me semble pas pour les galets en rouleur. Je crois pas. J'aurais peut-être pu vérifier. Je suis vraiment un sac. Non, c'est bon. Ça. Là, il y en a un. Là. Là, on avait ça. Et je crois que c'est tout pour le dessus. S'il faut que je remette du liquide, mais... Donc j'y pense, mais c'est tout. Et après, on stoppe là pour aujourd'hui, mais ça sera déjà pas mal. Faut tout que je remette le bas le prochain coup. Et puis, je pense qu'on sera pas trop mal, normalement. Normalement, il me reste plus que le dessous. Ça, c'est en dessous. Ça, c'est à boîte à vitesse. Ça a l'air d'être bon. Au niveau de ça, on nous dit chapeau de bielle. Bon, c'est normal, chapeau de bielle, chapeau de paille. Démarreur que j'ai pas remis. Disque d'embrayage. Support roulement à vibrequin. Et c'est tout. Faire la vidange qu'on n'a pas fini. Voilà. Ok, et ben, on fera ça la prochaine fois, messieurs dames. J'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve samedi soir pour la suite, je pense, de Car Mécanique Simulator 2021. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez la vidange en soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.